Ah, l'amour du maillot. C'est un terme qui me tient à cœur. L'amour du maillot, c'est... C'est après ce que vous faites à partir de 15h. Essayez de bien jouer dedans, de prendre beaucoup de plaisir et d'en donner aux gens. L'amour du maillot, l'amour de maillot de rugby, ben le premier maillot de rugby que j'ai eu, c'était un Noël, c'est de coucher avec ce maillot, de me mettre, garder cette tenue et de coucher avec. C'est l'amour de maillot, c'est respecter ce maillot. Ce que je vous dis, l'amour de maillot, c'est que quand on décide de l'enfiler, de le porter, ben on doit tout donner pour ce maillot. Et ce que j'essaye de transmettre moi à mes joueurs, ce qu'on m'a transmis, c'est que quand on enfile un maillot, il faut tout donner. Quand on accepte d'enfiler ce maillot, c'est qu'il faut être capable après de tout donner. Alors je le répète, ça donne pas un bon ou un mauvais match. Moi je n'ai jamais voulu à une équipe ou à un joueur qui faisait un bon ou un mauvais match. Ça arrive, et puis l'adversaire a le droit d'être bon aussi. Par contre, s'il a tout donné, ben je ne lui en voudrais pas. L'adversaire a le droit d'être meilleur ce jour-là, mais si on a tout donné, pour moi déjà le maillot a été respecté, et je crois qu'on pourra à nouveau reporter ce maillot-là.